2 km au sud d'Agadir. Voilà, 200 km au sud d'Agadir. Et puis avec un WX, eh bien, légèrement brumeux parce que une petite entrée maritime, mais autrement, WX, bah, il doit tourner autour de 27-28 degrés, là, quelque chose comme ça. Là. Ok, à toi le micro, mon opérateur, s'il te plaît. Pour moi, c'est Claude. Hein. Ah ok Claude, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème pour 200 km en dessous d'Agadir, il n'y a pas de problème. Mais moi c'est Vincent, hein. Vincent, Victor India, November Charlie, Echo November Tango, hein. Vincent, voilà. Donc je me situe moi de mon côté au-dessus de la ville de Libourne, à 45 km à l'est de Bordeaux, voilà. Et nous le WX, eh ben, de notre côté c'est du soleil, et voilà le beau temps arrive. Donc voilà, c'est du tout bon de mon côté pour ça. Voilà Claude, retour. Allez, ok, est-ce que tu es en omni ou bien tu es en directive? Alors là, de mon côté, je suis aussi en mobile. Je suis aussi en mobile, sauf que je suis en mobile arrêté avec un dipôle fabrication maison. Hein, un dipôle fabrication maison situé à maxi 2 mètres de hauteur entre deux arbres. Voilà, retour Claude. Ouais, c'est pas si t'as relâché le micro. Est-ce que tu m'as envoyé le micro? Oui Claude, je reprends. Hein. Donc je suis en mobile aussi, je suis en mobile arrêté avec un dipôle fait maison, un dipôle fabrication maison situé à 2 mètres du sol. Roger Claude. Ah oui, au cas, 100%, là, pas de problème, il y a eu un petit QRM et puis effectivement, j'avais pas compris la totalité de ton passage. Ouais, ben pour moi c'est le push arrêté, hein, en l'occurrence un camping-car. Et une antenne d'aile, là, une foule, un peu, comment j'appelle ça, un cover foule, c'est même pas tout ce cartel, parce que c'est une antenne qu'on m'a donnée, et puis il manque un petit peu la nomenclature, il manque un petit peu la marque, là. Voilà, et pour ce qui est du TX, c'est un Nikon 706 MK2G, là, environ 90 watts en émission, là, micro-retour. Ah ok Claude, eh bien, il n'y a pas de souci, ça passe très bien sur la région bordelaise, il n'y a pas de souci, c'est comme moi, hein. Là tu es des fois à 95, des fois ça descend, c'est la propagation, hein, c'est normal. Hein. Et, ah ouais, nickel, eh bien, moi de mon côté c'est un Superstar 6009 version 7, le Blue, et puis l'antenne, eh bien, c'est donc le dipôle à 2 mètres de hauteur, voilà, retour Claude. Tu as dit un 6009, parce que moi j'ai un 3900 profil. Je n'ai pas pris sur moi, il n'est pas avec moi là. Hein. Mais je crois qu'il y a un 3990 de chez CRT, un truc comme ça là. Voilà, 6900, c'est ce que tu m'as dit là, 6 comme 3 x 2. Oui, affirmatif Claude, affirmatif, c'est le nouveau CRT, hein, le 6009, voilà, il y a le 6009, le 7009 et le 9009, moi j'ai le 6009, la version Blue, version 7 Blue, retour Claude. Ah bah c'est récent, c'est récent, je l'ai acheté, pour ma part, il y a un mois et demi, mais je pense que ce sont des TX qui ont un an ou deux ans, je ne sais pas trop, hein. Mais c'est les nouvelles générations, hein, c'est les nouvelles générations qui remplacent les 3009 HPEF et cette gamme-là, quoi. Hein. Ah ouais, ok, ben je me posais la question, 6009, j'ai jamais entendu ce truc-là. J'en ai eu mon dernier, là, chez CRT, c'est un 3000, je crois que c'est 3990 ou quelque chose dans le goût-là, là. Avec le décalage en fréquence, on peut aller sur le zéro, il y a 60 watts en émission. Combien ça en émission là-dessus, là? Alors là, j'ai mis la boîte à whisky là. J'ai pas beau. Enfin, en émission, à l'heure actuelle, je suis à 50 watts là. Voilà, je râle de mano, 50 watts. Hein, sinon, lui, le poste tout seul, il sort 30-35 watts en émission BLU. Ah ouais, d'accord. Et ton dipôle, c'est une filaire que tu as fabriqué? Affirmatif. J'ai pris du fil électrique 1,5, du 1,5 mm carré. De chaque côté, bon, bien sûr, ça fait une quart d'onde et il y a 2 mètres, je suis à 2,46 m de longueur avec une marge pour régler le tos. Hein. Voilà, c'est tout. Ah, 2,46 m, ça s'est trafiqué en quart d'onde, ça, si j'ai bien compris. Ben, normalement, là, je suis en demi-onde. Je suis en demi-onde.
puisque si j'ai bien compris le principe, hein, donc de chaque côté, effectivement, ça fait une quart d'onde, et les deux additionnés, je suis en demi-onde, voilà. Je connaissais pas ce type d'antenne. Ouais, c'est vrai qu'on arrive à fabriquer un petit peu n'importe quoi de notre temps, là. Les filets en relativement carrément les 11 mètres. Il y en a qui m'ont en demi-onde la moitié. En tout cas, ça fonctionne bien. Hein. Une excellente radio, il n'y a pas de problème. Hein. Ça fonctionne très bien, ton système. Et bah, félicitations. À toi le micro. Ben, je te remercie, hein, écoute, c'est vrai que enfin, moi, quand j'étais à l'armée, j'avais déjà vu ce style d'antenne, c'est très vieux les dipôles. Ils appelaient ça les doublés à l'époque, ils appelaient ça des doublés. Voilà. Et nous à l'armée, on les avait, alors on peut les mettre dans plusieurs positions. Bon, moi, il est en position horizontale, direction sud-est, nord-ouest. Mais on peut les mettre aussi accrochés à une hauteur et la faire descendre au sol, tu vois, en oblique, ou on peut les mettre aussi en V inversé. Voilà, après, voilà, mais bon, ça, j'ai réussi à faire la Guadeloupe et la Réunion avec, donc c'est que oui, ça fonctionne. Après, bon, c'est là beaucoup la propagation qui va y faire aussi. Voilà, Claude, hein, retour. Oui, affirmatif, hein. Ouais, alors ben, moi j'ai eu fait des antennes aussi, mais c'était pour me promener sur le triple 6, là. Autrement en mobile, j'en ai une qui passe sur le 80 mètres, mais je m'en sers pas souvent. Et puis j'en ai une du 20 mètres, je m'en sers pas non plus. J'en ai pas mal qui sont restés au QRA. Mais d'après ton accent, là, tu serais pas des îles, toi? Ah, négatif, non, 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 je suis bien un girondin pur et... Enfin, normalement, hein. Normalement, je suis girondin, et voilà. Ah ouais, pourtant, il m'avait semblé que tu avais un accent qui est... Alors, comme quoi, tu vois, on peut tenter, hein, la radio, ben, ça déforme un peu la voix aussi, pratiquement, c'est normal. Là. Voilà, et ben, ouais, Michi, il a quand même, tu vois, bientôt fini les vacances. Hein. Ça dirait, hein, de voir en fait si tout va bien. WXI a plu un peu hein, pendant un jour ou deux, pas trop méchant, oui. Et puis maintenant, ben, il fait un petit peu chaud dans la cabine. Là. Il fait un petit peu chaud, mais ben, bon, on vient là pour le soleil. Hein, parce que effectivement, j'ai vu qu'en France, là-bas, c'est toujours pas beau au niveau WX. Hein. Il y a des endroits où ça gèle encore. On reste là, le temps qu'il fasse un petit peu, mais. Et puis peut-être essayer de trouver du gasoil aussi là, pour la route, parce que ben, ici, pas de problème, on va le trouver, mais si arrivé en France, hein, il vaut mieux en prendre avant, parce qu'on pourrait être emmerdé, là, tu vois ce que je veux dire, là, toi. Ah ben affirmatif, hein. Ben, de mon côté au niveau QSJ, hein, je l'ai eu, que je dise pas de bêtises, sur la région oui de Libourne, 1,724€, 1,724€, mais oui chez la grande surface, hein. Mais après dans les stations on arrive à 1,850€, je crois, hein. Voilà. Donc ouais, vaut mieux faire le plein là-bas, hein. Vaut mieux faire le plein là-bas et au Maroc, hein, y a pas de souci. Hein. Oui, affirmatif. Ah ben là, il est avec le change, il revient à 1,25€, hein. Et ben, chez nous, les plus chers, en Europe, je crois, je sais pas trop les autres places, là, peut-être en Italie, c'est peut-être plus cher qu'en France. Mais en Espagne, moi, je l'ai touché à 1,45€, hein. 1,45€ en Espagne, à 25 ici. Le prendre ici, je sais pas, peut-être pas, c'est à faire le plein d'avoir en Espagne, ouais, ça serait peut-être certainement plus cher d'avoir passé la frontière. Ouais, parce que je vais pas me trouver dans le caca en arrivant à la frontière. Facile. Voilà, maintenant avec tout ce qui se passe, hein, bon, les copains, ils se passent là-bas, ils ont bien raison, hein, et entre autres, faut quand même qu'on prenne nos précautions. Voilà, mon ami, hein. Eh bien, écoute, je m'en vais passer en QRT maintenant, parce qu'il y a d'autres occupations. La maman a besoin d'un petit coup de main pour la cuisine, hein, tout ça. Et puis d'autres écoles à faire, là. Alors, je vais te laisser. Je te remercie pour le petit contact très sympathique. Félicitations pour ton installation qui fonctionne très bien. Et puis pour ton TX qui a l'air d'être de bonne qualité aussi. Hein. Et les amitiés au QRA familial et au plaisir de se retrouver sur l'air, là. 76, Charlie Charlie Golf 34 qui termine, qui t'envoie le micro pour le final.
Ok Claude, eh bien, écoute, eh bien, je te remercie pareillement pour le contact. Passe de bonnes vacances au Maroc. Voilà, apparemment tu m'as dit que ça se terminait. Mais enfin, bon, voilà. Et puis amitié au Cura. Puis la bonne continuation, hein, voilà pour les vacances. Allez Claude, eh bien, c'est le final. Je te remercie. Et peut-être à une prochaine fois sur la fréquence. Attention, on ne boit pas trop de bouteilles de Bordeaux là-bas, hein, ça monte à la tête. Il n'y a pas de risque, j'en bois pas. Voilà, j'ai horreur de ça.